Et salut, eh bien c'est Bilbon. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment fixer cette grille. Ou en tout cas, j'avais envie de faire une petite vidéo et comme ça vous verrez comment je m'y prends en général. Que ce soit pour les carreaux incassables ou pour toute autre chose où il y a besoin de faire un perçage et un marquage. Ce que je fais, c'est que je pique un Posca au petit. Et après, j'essaie de me positionner, hop, là où je suis censé aller. Et là, je crois qu'on est pas mal. Tac, j'espère juste. Hop. Eh ben non, j'ai pas les marques. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Alors, comment on va faire? Parce que là, appuyer, ça fait pas du tout de marque. Hein. Ok. Comment je vais faire pour marquer ça et pas me louper? Ah, et là, dedans, c'est le meilleur moyen de me foirer. Parce que là, le au hasard, ça va pas le faire. Hein. Comment je peux faire ça alors? Est-ce que si j'en mets sur les bords? Ok, donc on a dit que c'était dans ce sens-là, voilà, très exactement. Est-ce que là... Non, je suis pas bien non plus. Ce que j'ai envie de faire... Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ce perçage à la con? Pas mal. J'ai pas bougé. Je sens que ça va être un carnage, mais on va quand même continuer et on va aller jusqu'au bout de la bêtise. C'est qu'elle est épaisse cette petite carreau. Ouais, je crois que le plus simple, c'est de faire ça en fait. Ouais. Comme ça, moi, je serais pas mal. Donc là, on va dire que je suis droit. Ok. Je
vois à peu près où ça tombe. Oh, c'est que je suis pas mal du tout. Est-ce qu'on n'est pas droit? Mais c'est cool là. C'est qu'on est droit. C'est qu'on est droit. Donc là. Ok. Donc là, ici, on est bien. Donc, par contre, toi, il faut que je te mette en travers. Hein. Parfait. Et donc, lui, normalement, j'ai dit que j'en voulais le faire revenir vers là. Peut-être fait un peu trop revenir. Putain, j'en ai marre de la toucher cette caméra là. J'arrête pas de la baisser, mais. Eh ben, on va arriver à ce que je veux. Parfait. Oh, ça va être joli. Alors attendez, je vais nettoyer ça avant de fixer et je vous reprends de suite. Et voilà, c'est reparti. Je suis allé chercher un petit chiffon humide. Oh merde. Pardon. Les feutres, c'est tout simplement du Posca, hein. Pas de prise de tête. Alors, ça c'est bon. Non, ça va le mettre là. Alors. Voilà. Alors on verra, hein, parce que j'en ai discuté, parce que je discute avec quelques personnes au sujet des crawlers, parce que bon, je sais pas, vous en doutez peut-être, mais du coup, depuis que je m'y suis mis et que j'ai bien accroché, je suis plein de questions. Je suis plein de questions. D'ailleurs, enfin, en même temps, c'est là de vidéo. Ça va être juste pour l'installation de la grille. Et pour vous expliquer deux trois blabla sur ce que j'ai l'intention de faire sur la bête. Alors, trop classe. Alors par contre, ce que je sais pas, c'est si j'aurais dû mettre la rondelle là ou si c'est plutôt pour l'autre côté. Non, c'est l'autre côté. Alors, est-ce que parfait. Fait une vidéo, forcément c'est le jour du premier mercredi du mois. Je finis de visser et après je vous explique. C'est pas une vidéo très très intéressante, ou quoique peut-être pour certains, hein, parce que moi c'est vrai que des vidéos de montage de comment dire d'accessoires, c'est le genre de truc que.
Je trouve que globalement, des fois, et bon après, c'est pas une critique, attention. C'est, je pense que en fait, c'est par faute de, par manque de temps, parce que même moi aussi, je pourrais en faire plus. Et à des fois, on présente les machines, et il y a des petites bricoles qu'on pense pas à montrer, comme comment s'emmerder à fixer sa grille. Eh ben, regardez, hein. Au départ, c'était pas forcément bien parti, mais au final, on s'en est sorti tranquillement. Alors en fait, là pour l'instant, donc sur lui là, qu'est-ce que je lui ai fait? Lui donc, je lui ai rabaissé le centre de gravité en en inversant les inserts ici et en mettant les amortisseurs sur le trou le plus haut. Je les ai mis en fixation arrière aussi parce qu'avant c'était devant, donc ça me l'a bien baissé. J'ai monté la barre panhard jusqu'au trou le plus haut parce que sinon ça touchait le pont. De toute façon, elle va finir par virer. Et j'ai mis aussi les amortisseurs ici sur le trou le plus haut. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je dois recevoir la pièce pour qui se fixe ici pour monter mon cerveau sur le pont. Ce qui devrait me permettre normalement un plus gros débattement et avec un peu plus de poids aussi à l'avant, donc ça va aider. Et donc pourquoi je parle du poids juste maintenant? C'est que en fait, là pour l'instant, on est sur de la déco. Et là, je me suis fait un délire parce que. Alors je vais essayer de vous le montrer de profil parce que sinon ça va pas rendre. Non, reste là. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, moi je trouve que ça lui fait une bonne petite bouille. Pour l'instant, je suis en train de. Bon, là c'est les. Voilà, hein, là c'est les trucs Playmobil au petit, machin, je mets des petites bêtises. Et le but du jeu, voilà, c'est de l'accessoiriser pour que ça devienne encore plus fun que ce n'est déjà. J'ai déjà les autres roues qui vont avec, mais il me faut des élargisseurs parce que ça touche devant, donc je les mettrai plus tard. Ah oui, c'est des Duratrax C3, les Deep Woods CR, pour ceux qui se posent la question. À l'origine, cette grille était livrée avec une rampe de phare, mais moi et ma délicatesse légendaire, j'ai foiré une LED, donc du coup, ben, j'ai coupé les autres. J'en ai coupé deux. Ça, je l'ai désolidarisé de là. Parce que au final, j'attends une autre petite rampe. Et je vais voir si la petite rampe, je la fixe dessous. Ou si celle-là, je trouve pas un moyen de me la mettre là. Je me suis commandé aussi une petite LED là, pour mettre ici, pour éclairer à l'arrière. Donc, et ça, cette petite chose là, toute seule là, je l'ai pesée, donc c'est 80 grammes. Donc, c'est 80 grammes, c'est pas énorme, mais voilà ce que j'ai compris en crawler, c'est que en fait, et ben, comment dire, le poids ça compte. Il y en a qui disent que c'est en fait la répartition idéale selon les terrains, je crois, selon ce qu'on veut faire, ça serait 60-40. Certains préfèrent 70-30. Moi, j'ai aucune idée de où je suis. Là, je crois que je lui en rajoute sur le centre, je dirais. Mais bon, on m'a expliqué qu'en fait, quand je vais être comme ça risque de décaler parce que ça rajoute du poids sur le haut. Donc bon, on verra si c'est une bonne idée, une mauvaise idée. En tout cas, pour l'instant, côté esthétique, ça me plaît bien. Ça lui fait une bouille bien fandard. Et oui, de toute manière, j'envisage de me commander une carreau. Non peinte et d'envoyer ça, je sais pas, Breezer, LB Painting, Amy Design, j'en sais rien. Et prochaine modif que je vais faire, c'est normalement supprimer les fenêtres et mettre des comme si ça faisait un filet là. Ça va faire joli. Et voilà, pour l'instant, je crois que je vais rester là. Juste une chose, c'est que je voulais voir parce que je suis curieux depuis un petit moment. Alors, tac. Voir un peu les LED. Ok, et donc là, bon sens. Là c'est le bon sens. C'est pas mal ces petits trucs.
Ah, c'est pas mal. Ou alors, je sais pas. Ça se trouve. Oh! Regardez-moi ce que je viens de voir. À quelque chose près. Je pense que je peux faire correspondre les trous. Alors, lui, il est là pour la déco. Lui, il est là pour la déco. Donc, ça se trouve, je ne le mets pas. Ça se trouve, je l'enlève. Mais on verra. Et peut-être, vu que ça semblerait être de la bonne longueur, peut-être je tords les pattes sur les côtés et je me le fixe ici pour avoir pour que les LED elles sortent un peu comme ça. Je ne sais pas si je vous arrive à vous montrer. Je me dis que ça peut être une bonne idée peut-être de plier, de replier sur le côté. Au pire, j'élargis un peu les trous, là, vite fait, là. Et je me dis que ça peut lui donner une bonne gueule de devant. En plus de dessus, hein, je vais voir parce que sur le capot, ici devant, je me verrai pas. Quoique ici devant, là, je ferai deux trous. Bah, je sais pas, ouais, ici, parce que des fois, je sais pas où je vais sur la caméra, je sais pas si vous voyez tout. Putain, ça éclaire bien, hein, ça fait classe. Hein. Fais voir, attendez, juste 2 secondes. Ah ouais, ça fait sympa comme tout. Ben écoutez, voilà. Alors ça, c'est pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien, on va réfléchir à comment le fixer. Et en attendant, ça va rester là. Eh bien écoutez, ben, ça sera tout pour aujourd'hui, hein. C'était juste une petite vidéo de blabla. Et ben voilà, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Salut à tous!